Ça fait longtemps, bonjour. Ça fait longtemps. Ma fille. Papa. Merci beaucoup. Parce que Dieu nous a fait rencontrer aujourd'hui les cocos. Nous les anciens. Merci beaucoup. Bikoko, moi j'ai entendu, je suis de passage d'abord, et puis je ne pouvais pas passer sans venir vous visiter parce que j'ai entendu que tu es malade. Voilà pourquoi je suis venue et je suis contente parce que je vous ai trouvé mon frère. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Anne, ce que vous avez entendu que je suis malade, ça c'est vrai. Ça fait de longues années que je ne sors pas. Tu as la chance de me trouver ici aujourd'hui parce que je suis venu cette nuit ici dans cette maison. Oui. Je compte des années que je ne sors même pas, je ne mange pas, je ne bois rien. Tu as la chance de me trouver aujourd'hui. Et là, il me manque de moyens. Je peux voir qui. Je savais qu'on avait l'aide là à l'époque. À la Sosnada, aujourd'hui tout est parti, il n'y a rien, on sait quoi faire. Et l'autre jour, je m'entendais qu'on a encore branché à CMC, et maintenant, ce que vous venez de me dire, que c'est déjà encore bloqué. On a bloqué. Alors. Parce qu'il n'y a pas nos droits là-bas. Alors. On a fermé tout, et pourtant l'artiste vit avec ses droits d'auteur. Alors. Mais quand nous n'avons pas les droits d'auteur, on va vivre comment? Alors, comment on peut vivre? Sache que moi, vous êtes à Yaoundé. Je suis à Yaoundé. Sache que je vous demande, nous, on doit vivre comment? Mais je ne sais pas pourquoi on ne veut pas respecter les artistes. Les artistes aussi, on doit les respecter, surtout les anciens. Anne, vous-même, vous connaissez, nous étions trop respectés à l'époque de la SACEM. Oui. Il y a encore passé à la Socadra. Oui. On nous aidait un peu là. Oui. Et même la Sosnada qui est partie comme ça, il nous aidait un peu. Non, mais on vraiment, était bien à la SACEM. Voilà, à la SACEM. Oui. Hein, nous vivions comme des Blancs. Oui. Comme des Blancs. Oui. Et maintenant, voilà que, comme je viens de vous dire, des années que je suis malade, personne ne pense à moi. Personne ne savent que je suis malade. Il fallait entendre seulement l'écho. Que ton frère est parti. Grâce que le bon Dieu vous a dépêché aujourd'hui d'arriver, de voir que si c'est vrai que Jean de Coco est parti. Ah, tu seras bien aidé. Et voilà, Anne-Marie, si je vous manque, voilà même une preuve.
Essaye de voir là où j'ai construit, dans le marécage. Mais tu es dans l'eau? Dans l'eau. Tu as eu la chance parce que la pluie n'a pas tombé aujourd'hui. Tu ne fallais même pas entrer. Parce que tout le temps, quand la pluie est tombée, je suis noyé. Jusque là-bas où se trouvait le marabout qui est devant là. Aujourd'hui, que j'ai vu la scientifique chez moi, je vous souhaite un bon voyage et vous allez bien arriver à Bibia ou là où vous allez. Merci. Ne vous inquiétez pas. Je t'embrasse pour la dernière fois. Les anciens qui ont travaillé au Cameroun. Merci Anne-Marie. Et on nous aime. Notre président est là. Tu pleures quoi? Non, je ne pleure rien. Autrement, il n'était pas au courant presque tout comme je vivais. Ouais. Mais maintenant, je crois, bientôt, il sera au courant. Oui. Bon voyage. Merci, que Dieu te garde. Merci Anne-Marie. Voilà.